Kleiner, vous êtes l'organisateur de la première convention de la diaspora camerounaise et l'un des dirigeants de Kamgiak. Et c'est à l'occasion de votre invitation pour cette convention que M. Poundjaoué est venu ici aux États-Unis. Et vous avez appris cette nouvelle, cette triste nouvelle qui vient de mourir cet après-midi. Que ressentez-vous en ce moment? Je ne sais pas si j'ai les mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai passé un très bon moment avec Pius, qui est un aîné. Il m'a dit beaucoup de choses. J'ai échangé avec lui depuis le Cameroun. Et il m'avait toujours dit, Jean Bosco, même si je meurs, continue le combat. Je sais que tu es très passionné avec ce combat. Continue avec le combat, quel que soit ce qui arrive. Et le voici. Ce soir, mort comme ça, par accident. Je fus l'un des premiers à être appelé justement parce que c'est moi qui l'avais fait venir pour cette convention. Et il était très enthousiaste pour être ici avec faire cette convention. Et hier, il était programmé qu'il partait d'ici, à l'hôtel où nous sommes, parce que c'est ici que je l'ai logé. D'ailleurs, je les ai tous logés, tous les leaders d'opposition, tous les leaders politiques, les leaders d'opinion, dont il en est un. Et quand il partait hier, puisque j'ai donné un dîner, on était tous ensemble, je peux dire un déjeuner, parce qu'on a commencé un peu tard, et on était là jusqu'à peut-être dans les environs de 20 heures. Il devait partir à 17 heures pour la Virginie. Il devait prendre le train. Et on a appelé quand il était à la maison avec moi pour dire comme quoi ça ne valait pas la peine qu'il voyage tard parce qu'en prenant le train à 17h, il devait arriver en Virginie autour de minuit. Il m'a dit, bon, docteur, on m'a dit que ça ne vaut pas la peine qu'il voyage ce soir, mais j'ai déjà check-out dans mon hotel room. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que grand frère, ce n'est pas un problème. Je vais prendre soin de ça. Alors, on est resté, on a passé beaucoup de temps. On a quitté la maison autour de 20h pour revenir à l'hôtel. Je l'ai remis dans sa chambre parce qu'il avait déjà signé out. Donc on a ramené ses affaires dans sa chambre. Et on était ici, je suis allé à la maison, je suis revenu. On est sorti autour de 23h minuit. Je suis allé le déposer en ville avec le capitaine Guérandi où ils ont passé la soirée ensemble. Et c'est là où je lui ai dit au revoir. Et je suis allé à la maison et toute la journée j'étais ici. Et c'est au moment justement que je suis venu prendre la facture de l'hôtel. Je conduisais à la maison que mon téléphone sonne pour me dire qu'il est mort. Qui vous a appris cette nouvelle? On m'a appelé de la Virginie. C'est un ami docteur Lucas, chez qui il allait justement. Il est pharmacien de son état avec qui j'étais à Boston. C'est lui qui m'a appelé de la Virginie pour me donner la triste nouvelle. Et dès qu'il me l'a dit, mon téléphone a commencé à sonner à gauche et à droite, du Cameroun et d'un peu partout à travers le monde. Puisque tout le monde savait qu'il était à mon adresse et il répondait à la plupart de ses coups de fil justement à mon téléphone jusqu'à hier où nous lui avons trouvé un téléphone portable sur lequel il pouvait répondre ses appels. C'était hier qu'on lui a trouvé ce téléphone-là. Et c'est justement au moment où nous nous séparions même qu'on a mis plus de minutes même dans ce cellulaire. C'était dans la voiture, nous étions en train de conduire et c'est au téléphone qu'on a appelé pour augmenter plus de minutes sur son téléphone pour qu'il puisse l'utiliser jusqu'à la Virginie, qu'il puisse avoir un instrument de communication. Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés. Vous venez de vous retrouver avec, je pense, les amis, les Camerounais qui viennent d'apprendre la mort. Qu'est-ce qui s'est conclu suite à cette réunion? Pius Ndiaoué n'est pas n'importe qui. Ce qui fait que les choses deviennent un peu plus difficiles. J'ai reçu un appel de la rédaction du Messager où je leur ai dit exactement ce qui s'est passé. Et ici à Washington, ce que nous voulions, c'était de trouver un funeral home où on pourra déposer le corps de Pius. Et pour ce faire, nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord contacter la famille et discuter avec la famille, puisque le corps est encore à Shakespeare, en Virginie.
Et j'attends, j'ai les premières photos déjà avec moi, sur moi ici. Et je m'empêche de montrer à qui que ce soit. Et j'attends juste un coup de fil pour confirmer ce dont on a décidé. Et il sera possible que d'ici la fin de la journée demain, que son corps soit déposé dans une morgue à Washington, au lieu d'être en Virginie, où il y a moins de communautés camerounaises qu'ici et où je suis présentement, où je peux prendre les choses en main pour rapatrier le corps au Cameroun. Vous avez des informations sur les deux autres personnes qui accompagnaient M. Poumjaoué? Oui, ils étaient deux avec le chauffeur, d'après ce qu'on m'a dit. Et il y avait une troisième personne qui devait aller, qui n'est pas partie, qui est restée ici. Il était là tout à l'heure. Et lui, il était dans le coma, mais il semble-t-il qu'il est sorti du coma. Et les premières questions à lui poser étaient claires. Lui, il s'est simplement retrouvé à l'hôpital. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, c'est la seule information que nous avons pour l'instant. Et puis, c'est mort sans presque aucune égratignure sur lui. C'est ça l'information que nous avons. Ce qui fait qu'il aurait sûrement eu une hémorragie interne. Et nous sommes en train de voir avec les services funèbres en Virginie, à Shakespeare, ce qui a lieu de faire d'ici demain. Merci pour toutes ces informations et nous vous souhaitons beaucoup de courage. Et, le Cameroun vient de perdre un très grand homme, un très grand combattant. Et on sera là pour vous assister. Merci beaucoup, madame. Et on dirait que Puce avait accepté mon invitation pour venir me dire au revoir. Nous avons beaucoup échangé hier, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Il a fait beaucoup d'interviews et il y avait beaucoup de promesses dans l'air. Et pendant qu'il partait, nous étions en train de préparer la déclaration de la convention avec la signature de tous les leaders politiques et d'opinion qui ont participé à cette convention qui était excellente. Et au sorti de la convention, il m'a dit, Jean Bosco, depuis les années 90, je n'ai pas vu une aussi grande, un grand enthousiasme des Camerounais, surtout de la diaspora. Je pense que les Camerounais de la diaspora sont en train de répondre à mon appel de 2001, parce qu'en 2001, lorsqu'il était au Texas, il avait demandé à la diaspora de se manifester, de réagir par rapport à la situation. Et il disait qu'il était très heureux que 9 ans après son appel, la diaspora est justement en train de faire ce qu'il avait demandé. Et il en était vraiment, vraiment fier. Dans une voiture qui est tombée en panne et puis ils se sont arrêtés, je ne sais pas si c'était au milieu de la route ou bien au bord de la route, et une autre voiture, un gros camion est venu percuter leur voiture et Poumjaoué est mort sur le champ et 2 autres sont en état critique à l'hôpital en Virginie, Norfolk, Virginia. Donc pour résumer, il est mort à 2h55 effectivement, cet après-midi. Et il se rendait en Virginie pour rendre visite à sa jeune fille. Malheureusement, Dieu l'a rappelé de cette manière-là. Bah, merci pour ces... Je rappelle que Poumjaoué, effectivement, était en train de travailler hier. Nous avons discuté des projets pour la prévention routière au Cameroun. C'est de tout ce qu'on a parlé hier. Entre 10h jusqu'à 2h le matin, où je suis rentré les accompagner à l'hôtel avec le capitaine Garandi.